Bautis.com. Bienvenue encore de nouveau sur cette émission Plateau du Savoir, une émission conçue et présentée par Kachidi Mwamba, que je suis dans le cadre de vous informer sur tout ce qui se passe ici au nom de l'État et un peu partout dans le monde entier. Je sais que ça fait très longtemps, je t'ai un peu absente suite à des choses un peu très privées, voilà. Et là maintenant je suis de retour sur vos écrans. Aujourd'hui j'ai l'honneur, le réel plaisir d'avoir sur ce plateau, c'est un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un pasteur, un frère en Christ, voilà. Azan à moi par qualification et mêlée, ensemble avec vous, fidèles internet de cette émission, nous allons découvrir mon invité de ce soir. Bonsoir pasteur David. Bonsoir, bonsoir Kachidi. Bienvenue sur Plateau du Savoir. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très heureuse en tout cas de te recevoir sur ce plateau du savoir. Vraiment. J'espère que tu nous apportes le savoir. Vraiment, ça, si je peux dire quelque chose, c'est que nous avons vraiment de savoir à partager avec le peuple de Dieu, okay, et les enfants du Congo. Merci beaucoup, pasteur David. Moi personnellement, je te connais, mais n'a pas trop. Oh, non, bon, on a vu ça un peu partout. Bah, il y a peut-être une première fin d'émission, une très présentation de la vidéo. Comme ça, pas trop dans la vidéo. Il y a au moins une sur toi, aux exactement. Parce qu'au début, je dis, pasteur David, est-ce que tu es réellement un pasteur ou encore, je sais pas. Merci, merci pour ma question. Si je peux me présenter, je suis le révérend pasteur David Efole Lisungi. Eh bien, je suis congolais, voilà. C'est ça, Molobeli, il y a peuple congolais. Et voilà. Molobeli, il y a peuple congolais. Merci beaucoup, pasteur David. Lélo, ensemble, on a eu au pasteur David, aux âmes, au salin, aux âmes, donc on a sujet où il y a aujourd'hui le chrétien congolais face au drame de la RD Congo, qui est notre pays à nous, la République démocratique du Congo, vu tout ce qui se passe au Congo. Dites-nous un peu, pasteur, selon vous, quelle est la vraie problématique de la situation tragique de la RDC? Merci pour votre question, ma sœur. Si je peux parler cet après-midi, je dirais que le Congo va mal. Le Congo est malade. Ça fait longtemps que les Congolais souffrent. Tout ça n'a pas si. Bana Congo bazo lela. Pourquoi? Parce que ba politicien ba lingi ba pesa biso kimiate. Bah, où tu as fêté 20 ans, il y a Afdel na Congo, mais en réalité, tu as une importance y a Afdel na Congo. C'est que sur Afdel, il y a eu un viol, il y a eu un drame, il y a eu un koufi, il y a eu depuis Afdel, il y a eu un passionnant. Lélo, si on peut parler sur Kasaï, ce qui se passe sur Kasaï, c'est une organisation de Kabila. Tout ce qui se passe sur Kasaï aujourd'hui, c'est ce que Kabila a prouvé. Même aujourd'hui, na autre chose, coup de fil, na bandeko bana Kasaï. Kasaï, ils ont toujours na trouble. Tout ça, entre guillemets, pour Zina Bangwezaga, élection et Salamate. Voire même Corneille Inanga, le président de la CENI, a annoncé que, via Makamwe Salamana Kasaï, il y a élection. Donc, prochain Bango, topé posana Bangwezaga, élection et Salamate na Congo. Voilà, c'est un peu ça ce qui se passe actuellement au Congo. Merci beaucoup, pasteur David, on les apprend du Nayo, mais qu'est-ce qui justifie en tout cas cet avis-là? Parce que en t'entendant parler, le BESA, organisation à Kabila, c'est l'AFDEL, c'est le colonel Inanga, mais qu'est-ce qui justifie ça alors, pasteur? La Makamboza Cleur, dans ce monde, ce qui se passe dans la carte Mboka, actuellement, Mboka est en train de sauter. Le Congo est dirigé actuellement par des Rwandais. Le Congo est dirigé par des Rwandais. Naba poste nyonso ya minene ya mboka sobotali, ce sont des Rwandais qui dirigent le Congo. Vous comprenez? Alors, pas si ezaka kake biso toza susu na placité na mboka na biso. Toza susu na placité. Makambo esala malelo
et puis ça participe mawa. Les lobes atubazako, basolo ba, les gens parlent sur Clément Kanko, mais Clément Kanko a capion. Clément Kanko est utilisé, il est utilisé par le gouvernement. À ça juste pont entre les soldats qui font de troubles au Kasaï, na gouvernement, parce que dernièrement na gouvernement il y a Badi Banga, Clément Outé Kobima. À Outerobima ministre du développement. Mais ils n'ont même pas regardé ce qui se passe au Kasaï. Makambo onio se zana Kasaï, aneur nabiso azwaka déjà, azwaki ba image, azwaki ba conversation, ya Clément Kankuna, ya Clément Kankuna, na ba militant ba zana na Chimbolo. Mais il est là, il le livre. À où t'es reçu poste na gouvernement à zapé à zo tambola na ebi à zo salabia mais les lo bah monique comme trouble et comme yinda c'est alors bah niba bah lucelaye piste bah niba bah lucelaye ber bah sundoelaye problème mais toi ebi bisonyo soké Kabila est derrière tout ça. Kabila est derrière tout ça, c'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Parlons de Clément Inanga, parlons de Joseph Kabila, qui est le président entre guillemets de la République démocratique du Congo. Pasteur, d'où viendra de l'aide qui peut libérer le peuple congolais? Actuellement, les Congolais, il ne faut pas dépendre de la bango mokolobi nango Tshisekedi. Parce que nous voyons dans la diaspora, il y a plein de groupes, plusieurs groupes, bazo bunda disant, bazo baza contre, bazo baza pour, bazo monsieur Souboye, bazo monsieur Souboye. Vraiment, est-ce que là, il y a quoi la libération à Congo? Le problème, il y a les Congolais, premièrement, d'abord, nous avons besoin de l'unité. Aussi longtemps que les Congolais ne sont pas unis, il n'y aura rien qui va se passer au Congo. Donc, maintenant, quand il y a une crise, il y a pouvoir, crise, il y a leadership. Donc, on a besoin de tout ça, hein, afin que tout sauve le Congo. Parce que si on y habite, si on a l'impression qu'il y a des choses qui se passent au Congo, il y a des choses graves et pénibles. Batouba okufa, batouba na pasi, batouba zo lela. Mais aussi longtemps, tout ça a ngana zana besoin, ngande na leki, oyo ngai fonde, ngande sauve. Non, et si mbate. Pour le moment, toi na besoin d'ozala uni. Congolais doivent être unis, afin que nzambe asunga biso. Oui, to sambela, bien sûr, maman Kachidi, to sambela. Mais aussi longtemps, tout ça unité, il n'y aura rien qui va se passer au Congo. Il n'y aura rien. Alors, je vous demande, na bolingwa nzambe pe ya mawa nyoso to sangana to zala moko en fait que to ye ba lolenge nini ya kobimisa ba kadia mpemba oyo ba telemi na mboka na biso. Pour votre information, le voleur est en train de faire son travail. Na Jean 10, la Bible dit le voleur vient pour dérober, gorger et détruire. C'est actuellement ce qui se passe au Congo. On nous vole, on nous détruit et on nous tue. Le Congo n'a plus de sens aujourd'hui. Alors, levons-nous. C'est alors que nous pouvons faire quelque chose pour notre pays. Merci beaucoup, pasteur David. Tout le Bélan, en parlant de la division, parce que vous êtes pasteur, et tant que pasteur, c'est une grâce de t'avoir sur ce plateau. Tout mais qu'un peu que le Bélan, sur le plan, il y a combat. Pasteur, le livre Division et Liboso et Outina Katia Église. Quelle analyse pouvez-vous faire par rapport à la division où les combattants sont même l'église parce que pour eux, ils se disent que non, Division et Liboso, désordre, et Outina Église, et Outina Combat. Bon, merci pour la question. Problème est ça, et ça, nous avons une église, et ça, la Bible, mais ça, c'est un problème de la mentalité et de la conscience. Parce qu'en étant Congolais, nous savons tous ce qui se passe dans notre pays. Eh bien, sur Tolobi, que ce sont des pasteurs au Bazoya Koutiana, Bazoya Koutiana Division, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, pasteur Mokote Rolinga. Pas le pasteur, mais le chrétien, parce que tout le monde part à l'église ici en Europe, la majorité des gens partent à l'église. Non, ce sont de mêmes personnes au Bakina dans l'église, mais on fait nous Bakina dans le combat. Oui, mais ceux qui Bazoya l'église, pour ba Kabola, je ne crois pas parce qu'église est Kabola à terre. Église est à co réunir bateau. Problème est ça que si on peut lancer un message
à nos bien-aimés, à nos frères pasteurs ou aux chrétiens. Et ça que il faut ôter les mains parce que l'affaire de Congo nous concerne. Les gens peuvent dire que non, naza pasteur, naza chrétien, na koko ça de l'autre côté, ça pour les politiciens. Non, l'affaire du Congo nous concerne tous. Ça veut dire, Bisoto s'intéresse dans Makambuango. Voilà, c'est là où il y a un problème. À l'église, les gens n'intéressent plus au Congo. La politique, voilà, les Makamuna Bango, politique. Oh, toi, on a besoin de Congolais chrétiens, bah, s'intégrer dans la cage Makamboyo. Bah, qu'il ne la politique, si ça gère la politique, bah, qu'il ne tanga, bah, comme un militaire, bah, comme un loya, bah, avocat, et c'est talent qui est Sungabiso. Vous comprenez? Tous on a besoin, il y a bah, aspect nyonso. Un chrétien docteur, un chrétien politicien, un chrétien avocat, un chrétien, voilà. Toi, on a besoin. C'est pour ça que nous voulons encourager nos frères qui sont au Congo, les chrétiens qui sont au Congo, qui ont affaire au et qu'on résoudre. Non, je reste là, je ne veux pas, ça ne me concerne pas. Et toi, on est là, ça dit non, cette affaire nous concerne. S'il s'agit de partir à l'école, ou que nous avons la science politique, vas-y le faire. S'il s'agit de faire la. La journalisme, vas-y le faire. Il s'agit de faire le droit, vas-y le faire. Parce que tous en avons besoin pour la politique y a Congo. Ah, affaire au Italica, payante. C'est l'affaire de tout le monde, surtout nous les chrétiens. Parce que nous sommes les éducateurs du masque. Bisson de Tote y a ma masque. Alors, si Bisson de Kanima Bogoto, l'obate, Congo est à détruire. Or, on a besoin. Ma pasteur va conscientiser Bandimina Bango que l'affaire du Congo nous concerne. Il faut ôter les mains et nous faire nous porter ça à quelque chose dans le Congo. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, pasteur. J'espère que ma réponse na yo, c'est vraiment un plus. Na batnios au bon moment. Mais pasteur, comme tu es un peu content maintenant, si ma parlons un tout petit peu de Clémence Kankou. Ma campo et solo baba, audio et solo tambola, oh Clémence Kankou, azo au tinda babo baba. Mais si on peut parler de Clément Kankou, Clément Kankou c'est un député national, c'est un député national élu de Chimbulu. Aouti Kozala, ministre et développement na gouvernement ya Badibanga. Et selon Ndenge Tozoyoka, Ndenge Tumunaki, ba voice ya bateau ya soldat bazo tourner na tulo ba soki ba koki ko sa ba trouble ba bazo ipse ke tobomi garde corps et pas colonel moto ya ka tobomi garde corps ko tongi tocha moto na ndaku na ye et aibisi bango c'est bon ko sa lango mais toutefois vous savez situation politique ya Congo est bizarre. Ce qui est sûr, c'est que moi, pour bon, selon ga, ezanango, Clément est mon côté. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière Clément. Babini si est kaka, parce que bamoni est hindi. Alors Kabila a olinga assez ami kota na kasa biloko na te yango ba livrer Clément. Mais chez les amoulaï, baza sima ya makambo Clément oyo, parce que docteur Mwana, quand on a sa voix, Koufi, na 2016, na août. Vous comprenez? Alors, ma Kambo et ses bandaki, bazo bon, ma militaire, quand on a sa voix, il y a eu des choses. Mais tala ane oyo, moutoua zala ki chargé à ma Kambouana, a commis ministre de développement. Donc, exactement, quoi, bah, yoko récompensé yé na ma Kambo salaki. Alors, toi, ba monique, yindeli bango, c'est alors, ba miki kotikaye. Mais, naouté kolanda lobby, naouté fallait ça la presse, ça la moi réunion moko ya presse, mais na moni ango souté, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ce qui est sûr, baye belo ba osala. Tout ça, ba na besoin élection ça la matin. Ba lingi ba beta di solo élection té. Mais ba ça qu'on se contredire bango moko, je ne sais pas pourquoi. À ne passer monsieur Mende alobi na ma interview na alobi que na décembre le 19 décembre et osana président moko azo bima ezana président moko azo kota mutu moko ko violer loi électorale azate mutu ko violer constitution azate mais actuellement tozo violer constitution please to respecter constitution ya mboka na biso eza malamu mingi lelo Frank Jongo azako se retrouver na
la prison. Il a 5 ans de prison. Donc parlons un peu, qu'est-ce que Frank Diongo a fait? Parce que il veut défendre la constitution de notre pays. Et Frank Diongo aujourd'hui, il souffre. A zobé la zabienté, a zana passé. Mais bateau, ma criminel, bateau, bazo boma Congo, baza libre, baza laisse, bazo tambola. Naoucho landa, Roger Lumba la zongi na Congo. Roger Lumba la ya M23. Bisonos to ebi, comment M23 salibouzo banakata Congo? Comment M23 boni batou na Congo? Mais Roger Lumba la, il est libre, il fait sa vie, a zo tambola, a za kimia. Mais Frank Diongo se retrouve dans la prison parce que Alingaka Loba. Et puis à défendre Mboka. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Wana est un modèle à Mboka la vie, si comprenez, fidèle internet de cette émission, pasteur. Il y a une question et outil par Miss Galaxy Mboputu. À l'obito, mettre un peu que la civile élection. Est-ce qu'il y aura élection en décembre ou bien à fin d'année à 2017 ou est-ce qu'il y aura élection au Congo? Pour Nabango, Bazan a posé élection sans la maté. Parce que si Bandio le Bango, on a autant dans l'année président, il y a Seni. Alors, il y a des gens qui sont en Kassai et qui sont en Kassai, il faut pousser le programme topé, le programme d'élection. Écoutez, peuple congolais, pour ça, il y a des gens qui sont en Les politiciens veulent blaguer avec nous. Il y a des gens qui sont en fin que l'élection est en matin. Tandis que les gens qui sont en Kassai, et ça organisé par la Bango Moko. Bazo tumba ba bureau électoral, bazo pillé ba boutique à batou, et ça Bango Moko ne bazo organisé ango. Si que bazo linga pas bimisango, c'est comme si trouble za kuna élection ko sa amate. Mais bolinga te élection et salama. Si je peux, si on a ko pesa conseil moko na bande ko nanga ya na pouvoir, et ça que tôt ou tard, le Congo appartient à l'Éternel. Tôt ou tard, vous allez partir un jour. Et vous allez laisser Congo. Mobutu avait fait 32 ans na Congo, mais un jour Alikaki, il ne plus. Alors, on y a ce beaucoup que ça na Congo. Congo sera délivré. Congo sera libre. Et nazo pesa appel na bande ko nanga nyonso ya diaspora. Ba combattant, ba résistant nyonso ya diaspora. Ça c'est le temps de s'élever. Le temps de s'élever. Kabila qu'il veuille ou pas, il doit partir. Parce que mandat n'a pas été ici là. Et si l'été, mais ici là. Donc, il doit nous laisser. Voilà. Kabila, il doit nous laisser. Pasteur, tout le monde a appelé na Nini, na Ozamba Bengela, na ministère, na pastoral. Pasteur, quel reproche pouvez-vous faire à deux frères pasteurs qui sont pleinement conscients de ces faits qui se passent au Congo, mais qui embobinent plutôt le chrétien? Message Oyo, les autres distraits Bango, au lieu qu'on peut savoir la vraie parole qu'on représente, qu'on présentait Bango, parole Oyo, eux qui ont un changement, eux qui ont ça la question, bah chrétien, bah c'est la télé, ma voilà, au lieu bah les ça Bango, hier n'a message, moi peut-être que Oyo sur ma chrétien. Mes frères pasteurs, mes amis, mes anciens, mes pères, je vous en supplie, ça c'est le temps il y a pour conscientiser peuple Nzambe. Tout en appos ça, peuple Nzambe ça la conscientiser. Toye bah qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Avant que tu sois pasteur, il faut yeba que tu es un Congolais. Makila ya bandeko ba okufa, eza makila ya ba Congolais. Makila ya bandeko ba zo souffrir de femmes violées, des enfants abandonnés. Des jeunes gens tués, ce sont des Congolais. Donc, aussi longtemps, tu conscientises le peuple wanate, biso, tu retournes à mes panzambes. Quand c'est aussi un abisso, c'est ça que tu sunga peuple. Oui, tu es bien que nambo kanabiso, liberté et expression exaté. Mais, en tant que pasteur, nous devons faire quelque chose pour sauver notre pays. Voilà. Merci beaucoup, Kassam. Quelque chose pour sauver notre pays. Pasteur, je t'ai dit un peu, quelle attitude que le chrétien congolais doit avoir face à cette situation tragique, face à cette situation très dangereuse pour notre pays, face à tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui, quelle attitude nous devons avoir, nous, chrétiens congolais? La Bible dit dans le livre de Néhémie, Néhémie, il était à l'étranger.
Il travaillait dans la palais royal, dans le palais royal. Il mangeait. Il avait presque tout. Mais j'aime la attitude à Néhémie. Chaque fois ce qu'a questionné Badoua propos Mbokanaye, Bible le dit, Azakozala sad, triste. Azakozala mawa. Pourquoi? Makambozo kana Mbokanaye et ça la casa neshengote. Bien-aimé chrétien, toi qui es dans le monde, toi qui es au Congo, tu es partout dans le monde. Message na koye bisoka que l'affaire de notre pays nous concerne. Attitude dit nos anango tango yo kabatu bakufi na Beni. Tango zo kabatu bakufi na Kasai, bakwa zo kufa na Tchungulu. Il y a des femmes au baza sans armée, baza sans défense, mais bazo tu bazo bomba bango au bout portant comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur quand tu vois toutes ces choses. Levons-nous. Levons-nous dans l'unité et dans la prière et l'Éternel sauvera notre pays. Totelema. Les affaires nabiso Totelema. Les Congolais, levons-nous. Voilà. Les Congolais, levons-nous. Pasteur Ramon de la fin, n'a pas d'union sur nos opportunités pour l'analyse. On a fait des unions sur l'analyse diaspora et un monde entier. Le chrétien, tout comme le païen, entre guillemets. Message clé de fin, l'union sur l'analyse. Pour y a une mission. Mot de la fin n'angesaka que Congo est à sauver. Nous allons sauver le Congo parce que ezamboka ya ba ancêtres na biso. Ezamboka oyo tomoneli jour ali boso na vie na biso. Eza Congo. Et na singi na biso, na singi na bande ko nyoso ba combattant nyoso, ba diaspora nyoso, ba homme de Dieu nyoso. Tout élément pona Congo na biso. Congo wana nzamba pesango to kabwana ba Rwandete. Congo wana nzamba pesango to kabwana ba Ugandete. Eza Congo na biso. Loko leza ya biso, tôt ou tard, nous allons récupérer notre territoire. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Je ne sais pas si vous avez quelques salutations. Moi, deux ou trois personnes au Koki pour dédier dans nos émissions. Ba salutation nanga et pas ya ba combattant na monde entier. Ba résistant nyonso, ingeta na bino, ingeta. Na pesi bambote belé na col pastoral et puis bambote belé na général Ngando le crocodile balobara mabé Ngando te souvenir aussi ce kokatisa e baleté nzambe a pambola biso nzamba pambola père spirituel nanga le révérend docteur Balou Samuel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le pasteur Christian Mukwabili, que Dieu bénisse le pasteur Jérémy Alamazani, que Dieu bénisse mon frère Audrey. Nzamba pambola Galaxy, nzambe asale bolamu tellement et na pesi merci. Salutation à Galaxy bon poutou et à Audrey, que Dieu vous bénisse. Merci. Un grand merci na bienvenue son mozoa qui opportunité pour l'Andalusie. Quant à moi, je dirais les Congo nous appartient tous. Donc Totelema, peuple congolais, la jeunesse congolaise, moi personnellement, je vous invite à vous lever, je vous invite, je vous motive. Totelema, Tobunda, Pona, Ekolo, les Congo, aux Congolais. Si vous avez suivi cette émission dans de très bonnes conditions, nous disons un coup de chapeau à Galaxy Mbuputu qui était derrière la caméra. Merci à la grande équipe du Congo 10. Je dis un grand merci à Zidane Fikula. Merci à Marina Bongo. Pourquoi pas aussi dire un grand merci à Eric Nsala. Merci à ma grande famille Mwanda en France, Belgique, partout aux alliés. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Si le Seigneur nous fait grâce et qu'il nous prête vie, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro.